Top 10 des musiciens les plus riches d'Afrique. Le magazine Forbes a dévoilé la liste des musiciens africains les plus riches en 2018. La liste revient sur les artistes originaires du continent africain, qui se font actuellement le plus d'argent, au vu de leur popularité, de leur vente d'albums, de leurs contrats publicitaires, mais aussi surtout de leur efficacité sur le terrain. Voici donc les 10 musiciens africains les plus riches. La 10e place est occupée par le Zimbabwéen Oliver Mtukudzi. Il a déjà sorti plus de 65 albums. Après 41 ans de carrière dans la musique, Oliver fait toujours parler de lui. On raconte souvent que tout a commencé en 1969, lorsqu'il a fabriqué une guitare à trois cordes et a commencé à chanter. Avec une double nationalité nigériane et américaine, Jidenna est à la fois producteur et performeur. Alors qu'il n'avait que 10 ans, Jidenna s'est rendu compte qu'il voulait faire carrière dans la musique. Bien qu'il soit né aux États-Unis, Jidenna se considère comme un Nigérian et veut développer l'industrie de la musique en Afrique. Entre autres, il a collaboré avec Michelle Obama, l'ancienne première dame des États-Unis, sur un programme éducatif. Sa fortune actuelle est estimée à 1 million de dollars. Décédé le 23 janvier 2018 à l'âge de 78 ans, Hugues Masekele, originaire de l'Afrique du Sud, avait sorti plus de 43 albums. Il avait remporté de nombreux prix honorifiques et a été nominé pour un Grammy Award. Un billet pour son concert coûtait environ 20 000 dollars, pas étonnant qu'il était très riche. Il possédait une fortune estimée à 1,5 million de dollars. Il a laissé derrière lui un héritage historique. Née aux États-Unis d'un père zimbabwéen et d'une mère danoise, Tina Shi est la seule femme dans cette liste. En 2000, elle a joué dans le film Cora Una Chamed et sa voix a été dans le film de bande dessinée The Polar Express. Tina Shi est l'ambassadeur de plusieurs marques. Sarkodi est l'étoile de la musique ghanéenne, le seul représentant de ce pays dans ce classement. En plus de son talent incroyable, il est une référence pour la jeunesse ghanéenne. Il a commencé sa carrière comme rappeur amateur. Il a reçu de nombreux prix et continue à évoluer avec confiance. En 2013, il a sorti sa propre ligne de vêtements. Issu d'une famille très riche, Davido s'est fait un nom grâce à sa musique. Il a remporté de nombreux prix à l'échelle nationale et internationale. Il s'est révélé au grand public en 2011 après la sortie de son single Back When. En seulement 6 ans de carrière, Davido peut être fier de lui car ses exploits sont extraordinaires. Sa fortune s'élève à 16 millions de dollars. Originaire de Lagos au Nigeria, Wizkid est l'un des musiciens les plus célèbres de sa génération. La plupart de ses fans l'appellent le roi de la musique africaine. PDG de son propre label, Starboy, Wizkid fait danser même les plus grandes stars de la musique dans le monde. Il a commencé la musique en tant que chanteur à l'église. Et grâce au travail acharné, il a réussi à se hisser au sommet. Sa fortune s'élève à 20 millions de dollars. Il est passé de la 4e à la 3e place. Son amour pour la musique commence alors qu'il était chanteur à l'église. Aujourd'hui, Don Jazzy est parmi les musiciens africains les plus riches en raison de ses talents d'entrepreneur, de producteur et d'interprète de musique. Il est un ambassadeur de MTV et patron de son propre label, Mavin Records. Don Jazzy a produit plusieurs artistes nigérians qui connaissent du succès. Sa fortune est estimée à 30 millions de dollars. De son vrai nom Nkosi Nathi Mafumulo, Black Kofi est originaire de la province de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, mais a grandi dans la province du Cap-Oriental. La créativité de ce musicien est particulièrement attrayante pour les fans de la musique électronique.
Il a commencé sa carrière en 1995 et a sorti 5 albums sous son propre label. En 2005, il remporte le prix Breakthrough DJ of the Year au DJ Award à Ibiza. Il possède une énorme fortune de 60 millions de dollars, le double de la fortune du célèbre Don Jazzy. La première place revient au Sénégalais, Ekone. Il est le musicien le plus riche en Afrique. PDG de son propre label Convict Music, Ekone est également un producteur. Il jouit d'une grande popularité en Afrique et dans le monde. Ekone a vendu plus de 35 millions d'albums et a été nominé 5 fois pour les Grammy Awards. Sa fortune s'élève à 80 millions de dollars, soit près de 45 milliards de francs CFA. Nous sommes arrivés à la fin de notre classement. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a d'éventuelles questions, suggestions ou conseils, je serai ravi de les lire dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un joli pouce bleu et de vous abonner pour découvrir de nouvelles vidéos. Ciao !